Bon allez, putain, va falloir que je m'entraîne aussi pour demain, putain. Bon alors, 22-27, ouais ok. Salut Romu. Yo Chris. Y'en a pas. Bah ouais, enfin pas à côté de moi quoi. Ni moi. Ni toi. Oh chérie, ça va? C'est ça. Ok. T'as regardé les setups que je t'ai envoyés? Attends, je sais plus. Ah non, mais juste comme ça pour. T'as vu qu'il y en a un, c'est un hybride? Ouais, j'ai vu ça, les hybrides. Je sais même pas si je m'en servirais. Ouais, je pense pas non plus. Non, ce qui est sympa, c'est qu'il soit à jour, quoi. Mais je les avais, hein, tous, hein. Ah bon, en 10.2? Ah, ils sont pas en 10.2, hein. Tous les setups que tu m'envoyais là, ils sont en 10.2. C'est ouais, c'est la mise à jour 10.2. Ah ouais? Ah ben en tout cas c'est ce qui était écrit là où je les ai trouvés, où je t'ai montré. Ok. Bah, je verrai ça tout à l'heure. Je verrai ça tout à l'heure. Après, je Ah, sais pas merci. s'il y a des choses qui diffèrent sur cela par rapport à ce que tu avais avant. Bah, j'utilise Enfin, quand... souvent, j'utilise les derniers quoi. Donc la mage la plus récente quoi. Donc si c'est des 10-2, je dois pas en avoir. Salut Sky! Ouais, parce que le jeu il est en 10.3. Ouais. Mais 10-3, la mage du 10-2 ou 10-3, c'est que dalle, c'est. Je crois ils ont mis des skins, c'est tout. En plus, ouais. Possible, je sais pas. Ouais, y a rien eu de particulier, hein, je crois pas. Bon bah vivement qu'à passe cette manche là. T'aimes pas trop ce circuit? Non, j'aime pas. Je l'aime pas parce qu'il y a deux virages, j'y arrive pas. Ouais, t'y arrives pas, tu vas tourner en une 27 en qualif, quoi. Non, pas du tout. Bon, en Ah ouais? plus, encore moins en rapide. Non, l'autre coup, j'y suis allé faire vite fait 5-6 tours pour les pressions. Là, j'ai fait un 28-7. Ouais, c'est ce que j'ai fait à peu près. Enfin, pas là sur cette session, mais celle d'avant. Là, j'utilise le. Je roule avec le IMO là. Ouais. Ça va Sky sinon? Ouais j'espère, il n'y avait pas l'air d'y avoir beaucoup de mecs qui ont mis leur présence. Ouais ça va Une bien. vingtaine, non? Ah il y en a qui se sont... Il me semblait que c'était une vingtaine de ce que Il y en a qui j'avais. disaient qu'ils avaient pas le DLC non ou je sais pas. Ah, peut-être, ouais. Il y a l'LMR qui a sorti un championnat. Ah, ok, j'ai Ouais. pas vu. Moi Je je me l'ai suis inscrit au championnat pas. d'AX0 là du mercredi. Ok, nickel. Toutes les courses. Ouais, ils sont restés dans l'optique de. Bah de pas faire toutes les manches si on veut. Enfin de toute façon même sans ça, tu fais les manches que tu veux, mais ouais avec plein de liens différents, je sais Ouais, j'ai vu, c'est pas une inscription globale, c'est au pas. Ouais. cas par cas, quoi. Premier virage, je suis toujours en train de me dire La 2 ou la la 2 ou 3? la La 2 ou 3. la 3? Je suis trop content Ouais. de base de Spa, je suis en 2-22, j'arrive à descendre. Bah tu vois, Oh, ça la descend nickel. paix. Mais ouais, les chronos, des fois t'arrives à une base.
tu stagnes pendant quelques temps avec un chrono et puis d'un seul coup tu vas améliorer. Savoir faire pareil, tu vas améliorer. Je crois que je m'empête avec ça. Mais comme on dit, hein, c'est ouais, roulage, roulage, roulage. C'est vrai. Tu parles avec un gars sur ton sur Twitch, non? Ouais. Et c'est vrai que le roulage. Les jardiniers quoi, mais ça s'appelle pas jardin. Yo Ludo. Ludo, je t'ai inscrit un 6h solo ce week-end, c'est bon, t'es là hein. Ouais, ça va. Pour l'instant, ça va. Peut-être j'inscris des gars, je leur demande pas quoi. Tiens, au fait, ce week-end tu feras un 6h. Ok, patron. Ouais, mais non, tu fais le 6h. Et je veux pas de mots des parents. Ah, je comptais partir avec ma copine en vacances. Ouais, mais non, t'as 6h. Tu pars avant ou après, mais. Les teasers comme ça. Par contre, je vais m'inscrire à Monza. 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 Ah, les 12h. Ludo, 12h. 12h. Si t'as fait que 2h maximum, 12h. Je sais pas. Hein. Ça commence à sérieusement piquer. Tu veux pas plutôt demander dans la team à être à deux, au moins deux? Oui, après c'est Monza, c'est pas très, il est pas très physique, mais c'est les heures de pilotage quoi. Après, si tu veux les faire solo, vas-y. Hein. Par contre, lundi, mardi, il faut que tu prennes des RTT. Hein. Mets un petit message dans. Est-ce que j'ai fait la publication de Cédric dans notre calendrier? Non, je l'ai pas. Si. Tu mets soit un message dans notre calendrier à nous ou alors dans le chat pilote. Après, qui roule en McLaren, bah t'as Ben. Y'a Benjamin Rigaud. T'as Ben, t'as Pierre, mais Pierre je crois il est reparti en vacances. Faut poser la question. Ouais, tu mets un petit mot dans le chat pilote et dans notre calendrier. Sur la course en question, tu mets un petit message. Tu peux même identifier avec @pilote. C'est vrai, c'est qu'en octobre. Ouais, bah demande à Pierre, hein, ça se trouve, Pierre il sera chaud. Même Ben. Hein. Oh, j'y arrive pas, la caisse, elle ne tourne pas.
même chrono ou pas, hein. Après, tu sais, c'est une endurance. Le dernier virage, c'est un truc de fou. Puis j'ose pas mordre le vibreur. 47,2 en qualif, ouais, c'est bien 47. Ah, j'allais dire, les Porsche ils doivent être bien ici. C'est bien le chrono. L'entrée des pits, mon gars, tu vas voir le temps qu'on va perdre là, faut suivre la ligne là. Ça va être dangereux mais de ouf. Ouais mais même tu roulais bien quand même Ludo à Silverstone. Ah parce que t'as vu, ils ont fait une. Ils ont bien dit hein, la ligne hein, de l'entrée. Hein. L'entrée, il a annulé, il a changé d'avis sur le fait de dire que si tu coupes l'entrée, t'as une pénalité. Ah bah je suis pas sûr là. Hein. Ah il a refait des trucs. Ils l'ont remis en place pour là. Hein. Il me semble que j'ai vu des photos. Ouais, mais il va nous le dire au briefing. Il va le dire, j'espère. Cela dit. Parce que l'entrée des pits ici, si tu la respectes du début, t'es mal. Hein. Faut que tu freines avant le virage, hein, limite. Hein. Ah, faut que tu freines, que tu mettes au clignotant, que tu fasses céder le passage. T'ouvres le carreau, ouais. Que tu fasses coucou. Ouais, c'est ça. En fait, je vais pas te dire ce que j'en pense. Mais après, est-ce qu'on y est en IRL, est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'une ligne descend. Imagine, t'as un mec qui se crache. Il doit rentrer au pit. Admettons, il se crache en face de la ligne d'entrée des stands. Il se crache dans le virage. En IRL. Il va pas refaire un tour de circuit parce qu'il peut pas couper la ligne, tu vois, je pense. Après, je sais pas. Ouais. Mais c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est. Moi, on en avait parlé sur Discord. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas une espèce de cahier des charges qui soit fait avec toutes les teams organisatrices de course. Ouais. Tu vois, et puis chacun. Et puis. Ils font une réunion, tous là, les organisateurs, et puis ils font l'espèce de cahier des charges, tout le monde est d'accord, et puis au moins nous quand on prend la voiture, on sait quoi. On sait que il y a des choses qui sont comment dire Salut Simon, gérées ça par le jeu. Ça gérées 21 par le heure, jeu. 21h20 la course en gros. Qui sont gérées par le jeu comme les track limits par exemple. Et les SG30 et tout ça là. Et après, il y a une partie qui est gérée en commission pour par exemple la ligne des stands qui n'est pas gérée par le jeu, tu vois. Mais bon, après. Y'a pas de quoi. Ouais, non, mais ouais. Après, en réel, ici, je sais pas comment que ça se passe parce que. Ouais, l'entrée des pits, elle est même avant le virage, je crois bien. Bah écoute, je vais dire ça. J'y arrive là.
Hello. Ouais, ouais, allez, allons. Avant le virage. Salut Joël. C'est Joël. Ah oui, putain, elle est bien avant le virage. Oh là là. Ah ouais, j'ai ralenti exprès là. C'est chaud, hein. Enfin, c'est chaud. Ouais, c'est pas bon. Ça va, Joël, t'es en forme, hein? Oh yeah. Non, ce premier virage, j'y arrive jamais. On va faire des fossés. Oh, mais non, ça va aller. Bon, je vais pas faire les qualifs comme ça. Tu veux pas faire les qualifs? Bah, comme ça, au moins, je me ferai pas des fossés, quoi. Ouais, mais. Pff, ouais, bah, ouais non, je vais les faire, hein. Mais... Faut dire. Ouais, bah. Putain, j'ai même pas vu combien je consommais. Ouais, c'est ça, Ludo, faut être à droite avant le vibreur. Ouais, je sais pas, là, je suis. J'ai fait quasiment le même chrono que quand j'ai roulé. Je suis à fond. Et le premier virage, le premier droite dans la ligne descente, tu passes en 3? Non, 2. Tu passes en 2? Ouais, je remets la 2, ouais. Parce que le problème, c'est que en fait, si tu la passes en 3, bah ta voiture elle a un peu, je trouve elle a un peu de mal à repartir. Un peu molle. Ouais. Elle est molle, hein. Ouais. Ouais, mais si tu passes en 3, je trouve que tu peux gagner un peu de temps quand même. Tout à fait, moi aussi. Donc du coup on fait quoi? Ouais, il faut que tu mettes des GT3 en boîte automatique. Ouais. Tu vois, au moins c'est réglé. Entre la 2 et la 3. Ouais, c'est ça. Une demi-vitesse. Eh, peut-être que sur Assetto Corsa Evo, on pourra faire l'étalonnage de la boîte. Hein. Ouais, ça. Tu vois là, j'ai sur Gran Turismo. Setup que tu m'as sur Gran Turismo, Red Bull, tu... y a pas de mise à jour. C'est le 0, c'est le R01. Ah bon? Ouais. Je les retéléchargerai tous pour voir. Moi j'ai pas les anciens. Yo, donc Yo Floggy. Salut les gars. Fais au feeling, ouais. Bah à ce moment là je fais un virage un tour sur deux. Un tour sur deux. Donc ce circuit, tous les virages sont difficiles. C'est vrai qu'il est pas facile. Il est pas facile. Enfin moi je le trouve pas facile. Bon, je vais ressortir pour un run là parce que je sais pas combien que je consomme. Après je testerai avec l'essence. Combien d'essence vous mettez? Pour l'instant, je sais pas. 60 litres, je pense, hein, une demi-heure. Ouais, j'ai mis 60 litres. Bon, ouais, bah, je vais voir ma conso et. Approche 28 là, chrono 28, c'est pas trop mal. Je suis en rapide, quoi.
Salut. Salut Valentin. Vous allez bien? Ça va et toi? Pourquoi la pluie s'est fermée? Ça va. J'avais fait mon tour 18-18. Ah, c'est pas impossible. Ce soir, ça va tirer tout du long. Hein. Ça va quoi? Comment les plans? Ça va être serré entre les leaders. En rythme, ça va être serré. Enfin, c'est souvent la topologie du circuit en fait. L'entrée des pits, elle est là, hop, on fait ça, on fait comme ça. Il faut pas couper l'entrée, Romu. Ouais. Je vois pas de quoi tu parles. L'entrée du Red Bull Ring, elle est encore plus dure que... Plus dure, ouais, non, elle commence au deuxième virage du circuit. C'est une saloperie, cette entrée des pits, c'est comme le circuit. Non, putain. Le circuit, il est bon, j'aime bien, moi. Valence, je l'aime moins que celui-là. Bah, limite, je préfère Valence. Ouais. Limite. Ouais, moi, je préférerais le Red Bull à Valence, par exemple. Je pense que c'est les deux circuits que j'aime pas, quoi. Valence et Red Bull. Limite, je préfère West Netherton, Houlton et tout ça, quoi. C'est pas que j'aime pas, c'est. Je suis un avis mitigé souvent. C'est pas bon, démarrer. Comme pour les livrées, c'est pareil. De toute façon, pour Romu, mitigé veut dire j'aime pas. Donc. Non, mitigé, c'est qu'on sait pas. Mais on sait pas ce qu'on sait pas. Voilà. C'est oui ou non. C'est oui et, oui et non. Et oui et non. Attention, le serveur va redémarrer. Attention à vos mains. Je peux presque ressortir plus vite que. Enfin, quasiment arriver plus vite que les pilotes à la ligne droite. En passant par les stands, presque. La BOP elle fait mal. Red Bull Ring, les possibilités de dépassement, ouais, il y en a. Il y en a 2, 3. 3, 4. Ouais, 3, sûr. La BM elle est bien au Red Bull Ring, tout comme le McLaren. Bon, en fait, en gros, t'es en train de me dire que c'est le pilote qui est pas bien, quoi. Si j'ai bien compris. J'ai pas dit ça, j'ai dit par rapport à la box. Ouais, t'es mitigé, quoi. Tu m'as pas, c'est un peu fort. La bob, qu'est-ce qu'il y a la bob? On a moins 1, ils ont tiré l'aileron. Non, vous avez l'antenne. Vous avez plus 26. Ah oui, d'accord. Ah, ok. Ouais. Ah oui. Ah ouais, je vois ça. 26, la BM. Putain. Ils sont sérieux. Ouais, plus 21 pour la Oui, et puis toi, tu vas me dire que t'as moins 30, non? Non, j'ai plus 7. Putain, la fraude, quoi. La Porsche, elle est en moins, je suis sûr. Moins 15. La Porsche, moins 15. Moins 15, la Porsche. Ouais. La Honda, moins 20 kilos. Non, mais imagine la BM, plus 26, plus moins dans le baquet, quoi. Tu vois. Plutôt d'un coup là. La Ferrari moins 18. Ouais, c'est. Non, mais c'est un sketch leur pop. C'est vraiment de la merde. Franchement. C'est la tête du client. T'es aigri parce que ça équilibre un peu plus les voitures, c'est tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais quand tu vois une pop avec moins 1 kg. Excuse-moi, ouais. Mais moins 1 kg. Ouais, mais. Je vois pas ça. T'as pas là. Ça change rien en rythme, hein, mais c'est pour équilibrer. Comme ça, le serveur redémarre pas. Ah, finalement, il faut savoir. En fait, ils avaient un problème avec un pilote et ils ont réglé le problème. Ils équilibrent mes couilles, ouais. La bob, elle est à jour en plus, elle date il y a un mois, mais il faut dire qu'on peut retourner sur le Red Bull Ring LFM. Tu vas me dire que la BM ici a domine, quoi. A priori, c'est la plus forte ici. Ouais, donc c'est le pilote.
Bah, si on suit par rapport à la Bob, c'est la BM qui est en avantage. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est beaucoup plus lourde que les autres. Ouais, et puis justement, elle met 10 kilos de plus en course que les autres. Ça fait 36 kilos quoi. Tu prends la Stone, moins 22 kilos. Ouais, de boulanger. C'est une fusée la voiture. Ben le bonsoir. Tiens, regarde-le. Alors, ben, le bonsoir. Pointe là, comme ça. T'as pas oublié d'aller fumer. Non, je suis bien, l'eau. Tu viens. Ouais, c'est serré de ouf quand même. Hein. Moi, je vais laisser Rudy faire le ménage au premier tour. Je ne t'écoute plus. J'ai pas entendu d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit? Bah il voit bien. Oh là là. Ouais, je vais pas. C'est con, j'avais le une 23 là, mais bah c'est serré hein. C'est serré. Je suis à 2,70 de cons. On a oublié de prévenir Charles pour Mumble, Romain. Ah. Oui. J'espère qu'il va avoir un cours intensif de Mumble, sinon il va être vraiment... Ouais, ou en espérant pour lui qu'il y a quoi de safety car ou je ne sais pas quoi. Ça, il n'en aura pas forcément. Ouais, mais Tomo. Bah même Abassia Moril là. Ouais, mais bon, il faut que les deux pilotes ils aillent sur leur voiture. Allô? Ouais. Oui. Il faut t'installer Mumble du coup. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Désolé, j'ai complètement zappé ça. Donc, j'ai fait que la première manche, les autres n'avaient pas fait. Le pire, c'est que j'ai regardé un peu partout au cas où si j'avais loupé un truc. Je ne vois absolument pas le truc tutoriel. Je sais pas où il le cache là, j'ai pas fait gaffe, je sais pas. Attends, je vais te le trouver. Où il est, donc là, il reste quoi à faire là. Putain, c'est quoi le nom de leur serveur? Le nom du serveur. C'est noté dans le race 4 là où je t'ai dit où c'était. Non, je parle de... Ah, c'est pareil pour le Mumble. Ah, non, le Mumble c'est différent. Je vais faire la qualif là. Non, j'ai le tuto Mumble, je vais te l'envoyer. Bah, tant pis pour la qualif, c'est un mal pour un bien. Je fais quoi? Je fais la qualif? Attends, bah, moi je serais toi, je serais la qualif, je m'en foutrais de Mumble. Hein. Ils vont pas me casser les couilles. Oui, mais le problème c'est qu'ils peuvent infliger une pénalité si t'es pas présent sur Mumble. Ouais, oui, et non, mais dans tous les cas, en cas de full course yellow, il est dans la merde. Mais voilà, non, il se met avec toi en voc, et puis voilà. Au moins, il sera au courant du full course yellow. Ah, mais même si j'ai un incident, quoi. Ouais, non, c'est long ou pas? Non, c'est rapide à installer. Parce que je l'ai installé, mais elle configurée, je parle surtout. Elle configurée, non, t'as tout sur le tuto que je t'ai envoyé. T'as le nom du serveur. Mais le tuto, je l'ai, Maurice me l'a envoyé. D'accord. Je pense que le serveur, c'était. Tu fais comment faire? Mais tous mes tours, l'adresse, ils se les annulent. Le port, le mot de passe, ton nom utilisateur. Moi, je vais devoir me mute, faut que je fasse des tests Mumble parce que la dernière fois, je pouvais call la direction de course, mais ça marchait pas dans mon channel. Ah. Je vais juste me mute. En fait, ils étaient bloqués comme tout le monde là, sans rien. Mumble, c'est le même fonctionnement. Ah, tu vois que j'ai mal au crâne là. Oh, quel enfer. Tape la sieste là-haut ou quoi? Mais c'est pas possible.
Oh, je sais pas quoi faire. Ça me saoule. 2,70, allez hop. Je vais pas me prendre la tête avec cette course. Avec combien, Rudy? Le plein. Oh putain. Bah là, j'ai fait mon meilleur temps avec le plein. Hein. D'accord. Ah, moi aussi. Les pneus gonflés. Le demi-plein, mais oui. Les pneus à 29,5. Non, les wet. Ben. Un combo. Ok. Ouais, joli temps, Christophe. J'ai pas vu que t'avais tapé un 28,6. En fait, je me rends compte que c'est vous qui me mettez la pression, là, j'arrive plus. Tout à l'heure, j'étais tranquille. Entre toi, alors. Tout à l'heure, j'étais tranquille, tout seul, sur le serveur, j'étais en pôle. Ouais. Je me suis dit, je suis trop fort. Ouais, 60 litres, hein. On va partir là-dessus. Tu roules quel setup Schubert. Faut que j'aille rouler un peu pour la GT4 après là, vite fait là, au moins faire des pressions parce que ça va pas le faire. C'est quoi déjà? C'est Houlton Park, je crois, sous la flotte. Tu peux dégager toi devant? Oh mon dieu. Merci. Une heure la course avec Pete, changement de pneu obligatoire. Je l'ai pas le Schubert sur le drive, Romu. Ouais, et il date de quand celui-là? C'est Ben qui avait mis il y a quelques semaines. Ah bon, ah bon, ah bon. Il est quelle heure aussi? Ouais, il est 9h. Ça va être le briefing dans 5 minutes. Bah ouais, je vais rester avec ce que j'ai là et puis c'est tout. Schubert, il est où Schubert? Je vois pas de Schubert. Schubert eSport. Ah, il y a tous les circuits. Oh là là. T'as pris lequel? Le race LFM? LFM, ouais. Il est bien le bordel. Ouais, impeccable. Vas-y, je vais au briefing. À tout à l'heure. À tout de suite. Ouais, également. Bonne course, les gars. Ouais, bonne course, Charles et Maury. Ouais, merci. Bonsoir. Ok, bah, viens, ils m'attendent pas.
Ouais, vas-y, je vais essayer ça vite fait là, le setup là, Rudy, voir. Schubert. Ouais, c'est quoi ce réglage de fou là? Écope 2, on va peut-être pas mettre écope 2. 53 en... Ouais, chelou le réglage. On va tester, on va bien voir. Pas l'habitude de rouler avec 53 de Brett Bias. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous et merci d'être présent ce soir. Ouais, excusez ma voix, mais bon, j'ai la crève donc fatalement, c'est pas du joli. Je suis quand même heureux de vous compter si nombreux ce soir. Bon, je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas le DLC, bon, malheureusement. Mais suivant l'incident de la semaine dernière qui s'est produit avec les pénalités de tout bazar, j'ai quand même assez ravi de vous voir aussi nombreux, ça me fait plaisir. Bon, l'erreur, voilà. Donc, on change des choses, on teste des choses malheureusement en plein en cours de route. Que normalement on ne devrait pas, voilà. On est pas mal voilà, donc on teste des choses en cours de route et que finalement malheureusement on se trompe. On voit qu'on n'est pas assez demander la parole. Donc voilà, donc ça je tiens à m'excuser personnellement, voilà, l'erreur avait un de moi simplement. Donc, on a revu tout ça, on est reparti sur le devant. Oui, oui, je sais, je vais venir. Donc, voilà. Donc, en tout cas, déjà, oui, on va mettre ça au point. Les qualifs, donc, si possible, pour les habitués, évidemment, qui roulent sur LFM et tout ça. C'est juste une petite note, c'est plus facile pour tout le monde parce que j'ai vu que des fois il y en a ceux qui se faisaient dépasser, qui laissaient de l'espace pour chaque pilote entre chacun pour pouvoir faire leur tour s'ils étaient plus rapides ou pas. Et puis il y en a certains qui dépassaient. Voilà, donc s'il vous plaît, quand vous êtes en qualif, quand vous arrivez près de la ligne pour lancer votre chrono, donc on va dire. À partir du dernier virage, on va dire entre guillemets, ou avant le dernier, ça dépend le circuit, mais laissez un certain espace entre vous et le pilote est devant vous, afin qu'il ne vous gêne pas si vous êtes plus rapide que lui, et ainsi de suite. Comme ça, si chacun se met une marge de sécurité au cas où, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de combat dans les qualifs, parce que c'est un peu con de faire des batailles dans les qualifs. Hein. Donc, le but de la qualif, c'est de faire le meilleur temps possible pour avoir la meilleure passe sur la grille et non de se dépasser, hein, de base. Donc voilà, ça c'est pour le point sur les qualifs. Si possible, aussi, c'est pour l'entrée des stands ici au Red Bull Ring. J'ai été faire la tour moi-même dessus. Parce que d'ailleurs, vous avez pu voir les screenshots présents.
ça dépend, sur le Discord, dans, ça dépend des courses, hein. Des fois c'est propre LFM, des fois c'est... Qu'est-ce que tu fais Clément Martin, t'as pas autre chose à foutre, casse-toi du stream là, c'est pour marquer n'importe quoi là, espèce de guignol. Va. Voilà, aussi pour les... aujourd'hui il y aura deux directeurs de course sur place, voilà, il y en a un nouveau qui prend les armes on va dire aujourd'hui, et on l'a briefé, on a parlé avec lui longuement, on a expliqué. On a repris certaines situations. Et puis voilà, quoi. Donc, afin d'expliquer exactement quelle procédure. Et s'il a un doute, il ne faut pas hésiter sur une décision. T'as pas autre chose à foutre. Il note. La vérité de quoi? Qu'est-ce que tu viens faire là? L'action qui s'est passée. Et à ce moment-là, on fera en après-course, et comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. C'est quoi ton problème? T'as pas autre chose à foutre de ta vie? Donc pour la... Donc pour l'entrée des stands, on a vu que c'était assez quand même, est assez long cette ligne. Donc j'ai une question. Merci pour le follow. J'ai répondu, parce que... j'ai pas pris la photo d'ailleurs, merde, j'aurais dû. C'était Cyril je pense, qui m'envoyait, je ne sais pas. Ah ok, bonne soirée à toi alors Clément. Non, c'est pas Cyril. Donc ça doit être certainement hybride. Ouais, c'est hybride, voilà. Ouais, bonne soirée, petit clown. Je vais prendre le lien. Je vais copier l'image, je vais la mettre pour que tout le monde puisse la voir. Ah bah c'est cool si tu reçois le support demain. Je ouf, vous la mets. T'as ton nouveau matos, ouais, et t'as pas de... Voilà, ça on m'a demandé si c'était une coupure de ligne. Pour moi, c'est non. C'est pas une coupure de ligne de stand. Parce que la bande, il y a quand même le truc rouge au milieu. Maintenant, si tu viens de gauche... Mais même, c'est pas le plot, c'est pas que ça je te parle. Dans l'entrée des stands, tu peux pas lui mettre 30 secondes là. Il y a la grosse bande rouge là qui est au milieu. Et là, il est déjà dans la voie des stands, on va dire. Donc, il n'y a pas besoin de lui mettre 30 secondes. Maintenant, si ouais, t'es sur la piste à gauche, là, on va dire, et tu retraverses la grosse bande rouge pour revenir dans les stands, là ouais, là tu prends carton. Hein, là, il y a pas de chipotage. Hein. Donc c'était une question qu'on m'a posée. Non, c'est parce que c'est un. La question a été posée par Hybride, donc voilà. C'est un mec qui était dans notre équipe depuis le début et bah, il était inactif. Les courses qu'il faisait, il faisait beaucoup de rage-kick. La réponse, et comme ça, moi, tout le monde le sait. Hein, pendant 3 mois et demi, passait son permis poids lourd, il était pas très dispo. Quand vous rentrez au stand, parce que on sait bien que l'entrée des stands, il y a la trajectoire. Accorder, donc, la trajectoire idéale passe dedans. Et en fait, le mec, il t'insulte. Donc, les pilotes rentrent au stand, signalez-le. Avec vos clignotants comme vous avez été sur Paul Ricard, tout simplement. Et au moins comme ça, les pilotes qui vous suivent savent que vous rentrez au stand pour faire votre arrêt, et c'est tout. Au moins comme ça, on sait bien, il y aura pas trop de... Rien d'extraordinaire. De difficultés vis-à-vis de là, on va quand même jouer la sécurité aussi pour tout le monde. Hein. C'est qu'on doit se prendre des pénalités pour rien. Donc ça c'est pour l'entrée des stands. Oh bah, de toute façon, ça, c'est toujours comme ça, on en a pas beaucoup, je te rassure. Dans les pénalités, ce sera vu après course. Mais on connaît jamais vraiment les gens, on va regarder toutes les entrées au stand, et comme toutes les sorties d'ailleurs. Hein, parce que la sortie n'est pas... Elle est courte, certes, mais... C'est pas parce qu'on n'est plus dans une même équipe pour ceux qui prennent le premier virage, dans les et celui qui sort des pits, c'est pas évident non plus. Il y en a beaucoup qui quittent des teams, voilà. Et qui restent en bon terme. Serrez bien votre droite, surtout. Je vois pas c'est quoi le problème, tu vois. Et... C'est cette question de sécurité. Parce que monsieur donc, Clément, voilà. Bon, pour les drapeaux bleus, on peut dire qu'il y a une amélioration qui a été faite. Il vient marquer des messages qui n'ont rien à faire là. Bah, encore voilà. Certains qui ne... Si ça peut l'amuser, s'il a que ça à faire. Il ne l'assimile pas encore assez bien, mais bon, il y a quand même on voit qu'il y a de l'amélioration, et c'est très bien. Donc, passons le tableau des pénalités, comme vous avez vu qu'il est affiché maintenant, ne bougera plus. Donc,
il reste tel, il y aura plus de tests, il y aura plus de trucs entre eux. Non, non, on termine le championnat comme il est là. En plus, nous sommes déjà à la moitié du championnat. C'est quoi qu'ils ont mis comme photo? Ça sert à peu à rien de faire quoi que ce soit, de changer ni quoi que ce soit. Donc, on va continuer le championnat comme ça. Des améliorations seront faites pour la saison prochaine et je pense qu'elles seront bénéfiques pour tous. Surtout pour les différences de niveau. Ouais, voilà. Ouais. Donc j'espère que la saison prochaine, ben, je pourrai vous compter aussi nombreux. Ouais, tu sais, sur PC. Et que je pourrais mettre tout ça en place. D'ailleurs, j'y travaille déjà de mon côté sur tout doucement. PC, c'est un petit peu pareil voilà. Des fois, hein, tu sais. Enfin voilà, donc pour c'est tout ce que j'avais à dire pour le. Donc, sur à part PC, vous remercier d'être là ce soir, aussi, ça me fait extrêmement plaisir PC, de vous accueillir cool, encore une fois pour cool, cette cinquième manche. Après, pour l'entrée d'instant, pour les qualifs, hein, ne pas vous gêner, laisser un espace entre vous pour dire que voilà, pour gérer un petit peu. Ça, c'est l'appréciation du pilote ici qui va être plus rapide que l'autre devant. Ou, voilà, c'est vous qui gérez l'espace que vous laissez entre vous et le pilote de devant vous. Mais voilà, évitez de vous dépasser, de vous faire des bagarres en. Si vous ratez votre tour, ben voilà, ça peut arriver. Hein. Vous ratez votre tour, ben vous êtes un drapeau bleu, hein, on va dire. Hein. Voilà, il n'y a pas de mystère. Donc, ne pas gêner les pilotes qui sont en tour rapide, tout simplement. On sait que le Red Bull Ring n'est pas un circuit facile. Qui d'ailleurs, je vais éteindre le serveur. Il se remettra en route après. Voilà. Ben voilà, donc moi pour ce qui est du briefing, c'est ok. Non, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bah, manette, si t'as manette, manette, c'est bien, tu vois. Après, si tu peux pas acheter de volant, t'achèteras plus tard. Après, tu t'en fous un peu de ce que les autres y disent. Bah, je pense avoir fait le tour de. Du moment que tu prends du plaisir, c'est le principal, j'ai envie de te dire. De tout, et encore mes excuses pour ce qui s'est passé. Bah, t'écoutes pas quand je parle, toi? Putain, c'est lui qui me le rappelle de. Ah ben si je l'ai dit, c'est un espace entre vous et le pilote qui est devant vous, et que chacun fasse le même pour dire de ne pas être gêné. Et surtout de s'il y en a qui rate son tour, de pas jouer les dépassements ni quoi que ce soit. S'il y en a qui rate son tour, malheureusement, ben c'est un drapeau bleu, donc qui laisse passer les pilotes rapides jusqu'à quand qu'ils reprennent son tour valide, quoi. Voilà. Non, c'est la première chose que j'ai abordée, c'est ça. C'est justement le système des qualifs. L'entrée des stands, ça a été spécifié. Aujourd'hui, ça va, on aura un deuxième commissaire de course, c'est bien. Ça pourra aider, ça pourra surveiller. En plus, si on est 25, donc ça va, le champ de vision va pouvoir être mieux. Bon, on attaque là ou quoi là ? Pour les parler d'eux. Faudrait peut-être faire un briefing. Voilà. Bah ici on attend le serveur va bientôt démarrer. Normalement. Bon allez, je vais retourner à la maison. Ah, il y avait encore 13 personnes dessus, désolé, c'est... Calme. Le mot de passe, je sais pas si c'est le même. On verra bien.
Allô le serveur. Ah, c'est tard leur course. Je crois qu'on a 20 minutes de qualif en plus. Il m'a dit, attends, j'ai vu ton message par rapport à Clément. Ouais. Ouais, c'est triste. Ah, c'est triste. Il l'a mal pris son départ. Il pensait qu'il avait toujours sa place, mais non. Vu que la team évolue, il faut que ça évolue aussi. Et ouais, des pilotes non actifs, je vois pas l'intérêt d'être dans une team, tu vois. C'est dommage de voir sa réaction. Pardonnez que vous n'aurez plus très bien resté de très bons amis. Et ouais, mais qu'est-ce que tu veux, il y en a qui mélangent tout. Sky, je suis gérant d'une boutique de cycles, moi. Bah, tu viens en MP, tu viens pas dans un stream, c'est débile, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Non, mais il y a Clément Martin qui est venu à moitié me traiter de clown, mettre des pouces vers le bas, truc de gamin, quoi, tu vois. Ah oui, j'ai vu sur Messenger ce que t'avais mis. J'ai mis un truc sur TikTok. Ah, je sais pas si t'avais vu la vidéo quand un mec me défonce là aux 12 heures d'une herbe. Non. Y a le serveur ou pas? Non. Non, pas encore. Ah, merci. Ok. Non, j'avais pas vu cette vidéo. Non. Enfin, je crois pas, ça me parle pas comme ça. Comment ça, je m'y plais bien? Bah, c'est moi le gérant, donc ouais, moi le vélo, je suis né dans le vélo. Je suis né dans le vélo, je fais de la compétition à un certain niveau. Je suis dans le vélo depuis que je suis tout petit. Donc oui, ça me plaît. Mais je vais pas au travail en reculant, quoi, en fait. Ça y est, le serveur, il est OP. Oh, et... c'est sûr que si c'est ta passion, tu vas en avant au travail. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de demander à mon chef pour aller boire un café pour aller pisser. Ah, ça, c'est toi qui décides. Ouais, c'est clair. Bah, j'ai connu l'usine et tout, donc après je sais quoi. Ah ouais, non. Monsieur François ? Ça va ? Bon, t'as encore des boutons magiques, François, ce soir ? Ouais, putain, tu me l'enlèves de la bouche, j'allais dire, j'ai peut-être à peu près comme bouton pour ce soir. Et. Ouais, c'est clair. Et du coup, les gars là. Ils vont marcher, ouais, parce que là. Et j'ai pas tout compris pour les qualifs, du coup, c'est par groupe ou pas ? Non. Ah, en fait, c'est comme d'habitude, change rien. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il a dit qu'il fallait qu'on laisse des espaces entre chacun, mais comme tout le monde le dit à chaque fois. Mais en fait, c'est jamais fait parce qu'il y a toujours Valentin, il y a toujours Romuald qui part le premier. Et après, tout le monde suit Romuald. Voilà. Non, mais en gros, il a dit qu'il fallait laisser des écarts pour pas se gêner et pas faire normal, des. Quoi. Oui, bah, comme ça doit être fait tout le temps, mais il n'y a jamais des écarts qui sont laissés ouais, c'est clair. De fou. Et puis le circuit, tu fais ouais. Une 30, quoi. Une 30, ouais. Si tu laisses 5 secondes dans chaque voiture, t'as jamais la place. Oui. Bah, t'as pas la place. C'est exactement ça. Je voulais le dire là au briefing, et puis après, j'ai dit, de toute façon tu dis quelque chose ou tu dis pas, c'est pareil, quoi, au final. Donc voilà. Rudy ? En F1, oui. Ils ont le même problème, ils sont obligés de se laisser 8 secondes d'écart pour pas avoir d'air sale. C'est de la merde ton setup. Oh là 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 là. Non mais Romu, il aime que les go, Romu, c'est comme ça. Non, je suis avec le IMO là. Ah, autant pour moi. D'habitude, tu roules les go, donc. Genre, t'as pris le Schubert, mais t'as rien touché. Non. Ouais, 53 rien. De répartition de freinage. C'est ouf. Ouais, c'est ça. Et Romu, pendant un temps avec la BM, je roulais à 53 aussi. Ça dépend beaucoup des pilotes. Tu peux changer ça.
Bon, il avait l'air de d'avoir plus de... Au niveau de l'attaque des virages, il avait l'air de moins souvirer le Schubert. En fait, le fait que tu as plus de bike bias à l'avant, tu peux faire, tu peux emmener ta voiture au frein un peu plus. Mais tu vas avoir un arrière un peu plus léger. Ouais, je vais rester avec celui-là de toute façon. Reste avec tes habitudes, change pas au dernier moment, je l'ai fait une fois, j'ai regretté pendant la course. Ouais, mais moi je m'a... moi tu vois je m'attendais à... Ouah, mais pour... Les mecs pourquoi ils font là, c'est un truc de fou. Moi je m'attendais à ce que Rudy, tu vois, ils me disent Romu, Romu, j'ai confiance en toi, prends le Schubert, tu vas voir, tu vas envoyer du steak et tout, tu vois, et rien. Romu, moi j'ai vraiment confiance en toi. Vas-y, fonce, vas-y, prends le Schubert. Satan, c'est dans quel film ça? Vas-y, fonce. Tu crois, tu crois vraiment qu'il va le dire, sachant que t'arrêtes pas de lui mettre la pression? Ouais, la pression. Vas-y, fonce. C'est dans... Ah, c'est dans les Inc. Non, dans les Bronzés. Dans les Bronzés font du ski, je crois, c'est. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça, exactement. Ouais. Vas-y, que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Oublie que t'as aucune chance. Ah, le délire. Bon, en fait, ça va être chaud de faire le top 5 là quand même. Bah, ça va chuter. Le haut du tableau, il va être assez serré en termes de rythme. Du coup, Rudy, on dit ce qu'on a fait ou pas, non? Ah, je sais pas, ouais, on peut. On peut. On peut. Pas de soucis. On compte les mecs qui tournent en 31, 32. Bah là j'ai machin là dans le... en bas dans le S là, il s'est mis à freiner dans le... J'ai pas compris, j'ai refait le cul. Ouais bah c'est tout, on va faire ce qu'on va faire et puis c'est tout. Eh ben du coup je vais aller en fumer une. Mais c'est quoi cette façon? C'est 20 minutes les qualifs en plus. C'est pas bien. 15 minutes? Ouais, ah, c'est 15. Non, c'est 15. C'est où qu'on a 20 minutes de qualifs? Ah, c'est à Rotachou. Et c'est à la LMR, les 20 minutes. Ouais, mais. Ils ont sorti un championnat à la LMR. Quoi? Non, mais ça va quoi. Je passerai tout à l'heure après la course. J'allais le faire après. Bah non, je dis que je vais le faire. Ça t'embête pas, tu passes déjà les open. Ils ont publié ça tout à l'heure, il y a une heure ou deux. Championnat d'automne. Ouais. GT2, GT. Non, ah ouais, je crois qu'il y a 6 manches GT3 et la finale GT2. Ce que j'ai compris. 5 manches GT3. Et la finale en GT2. C'est sur SimGrid les inscriptions. Et François, j'espère que tous tes boutons là ils marchent bien. Ah, la finale en Cup GT2. Ouais. Attends. Tu veux quoi comme. Tu me mettras un DT pour tous ceux qui sont devant moi. Et je te laisse la win. Ah, merci. Un dé en deux groupes. Non Ludo, ouais c'est gris, je suis d'accord avec toi, mais normalement pas de pluie. Hein. C'est des... Je crois que c'est météo fixe hein, là-dessus. Et les vendredis du coup? Oh vas-y, je m'inscris. Mais je le fais en cours, hein, pour ce petit championnat. Fais-le en Porsche Cup. Oui, bien sûr. Soldier, Watkins, Milano. Allez, on choisit la voiture pour Val. Il a fait en quoi le championnat? Chacun son tour. En Jaguar. Mais non, dans le raisonnable. Bah, t'as dit chacun son choix, c'est le mien. Ok. Jaguar. En Aston Martin. Vendu. McLaren. Non, Aston, c'est très bien.
Attends, les autres ils ont pas décidé. Tu vois, je pouvais pas donner la bonne réponse tout de suite. Genre 5324, t'es passé alien sur cette grid. Oh, ça va. Non, mais j'étais déjà avant la course que j'ai fait l'autre couche. Non, non, t'es passé de semi-pro à pro, et là t'es passé alien. Ouais, un alien de mes couilles. Un alien comme Roswell. Ouais. Ouais, je crois que j'ai marqué avec l'endurance de samedi, j'ai dû marquer 98 points. J'ai marqué 279 points. Ouais, ouais. C'est moi qui a marqué le plus. Ah, j'ai marqué. Tu sais si j'ai marqué des points, moi? Normalement, oui. Ah ouais, parce que j'étais rookie moi sur Singrid. Je suis rookie moi. Attends, mes résultats. T'avais fini combien, Imola? 17. Ouais, je pense que t'as gagné. Non, il a fait 17. Oui, non, mais t'as gagné 114. C'est bien. Ah ouais. N'empêche, c'était ma première 6 heures solo. Ah, c'était même pas moi qui a gagné le plus, c'est sûr qui a fini 4ème. Numéro 5. Bah, c'est notre Paul ami Paul Pio. Ouais, le. C'est sûr qu'il a la connexion en mousse là. Ouais. C'est ça. Non, c'est à 2700 moi. Enfin, je suis nul sur les Singrid. France, non, Rudy, aide-moi là. Elle est pas mal, là, François, la Porsche avec moins 15 kilos. Elle a combien? Moins 15. Ah ouais. Il va voler, François. Il va voler ce soir. Grave. En haut de la voiture, tu vas avoir décollé. La voiture, c'est déjà la plus légère et il l'allège encore. Ah là là, la fraude. Il y a moins 20 kilos, hein, c'est la Honda. Ouais, la Honda, elle est nulle. La Ferrari, moins 18. Elle est nulle sur ce circuit. Hein. C'est l'un des seuls circuits où elle est vraiment nulle avec Indianapolis. Ah non, pas Indianapolis. 25 litres, c'est bon pour les qualifs. Moi, je mets 15. Et je split toujours en deux mes qualifs. Bon, allez, je vais mettre 20. Allez, 18. Ouais, t'as tendance à faire toutes les qualifs en même temps, mais faut pas. Ouais, je sais plus, je les ai coupés en deux, je sais plus. En deux, je mets 15 souvent. Sortira premier. Je crois que celui qui sort premier il a plus de points. Tu vas voir les écarts comme il va, tu vas voir les écarts qu'il va y avoir. Il va y avoir zéro écart. Ça va tout freiner, tout le monde va freiner au dernier virage là-bas. En fait, si tu fais créer les écarts déjà dès le début, tu chauffes pas tes pneus. C'est le problème. Il a passé la ligne, le 64, ou avant la fin, ou quoi? Brom. Oui. Brom. Oui, mais il a déjà passé. Il reste que la 160 en dernier. Mirage. Mirage, il a le drapeau à Damien. Non, 64. Ah, Mirage, c'est la Honda. Oui. Avance. Les écarts. Permets que je prenne ton aspi pour aller plus vite. Ouais, si tu veux. Je pense que t'as pas besoin de mon aspi. Je vais plus te gêner qu'autre chose. On verra. Comment t'étais chié? J'allumais ouais. Le screen. Eh vas-y, passe, comme ça c'est moi qui va prendre ton aspi. Ouais, toi ça te servira, c'est bah sûr. Bah voilà. Regarde, regarde comment tu mets de distance. Putain. Ouais, je souviens de ouf. Attends, je vais baisser le stream. Hop. Attends, moi aussi. Moi
pas de chauffe mes pneus. Bah ouais, mais je suis en PLS. Oui. Je suis en frein 3, est-ce que c'est pas trop chaud? Je galère vraiment ici. La banane, j'ose pas la bouffer. Je peux pas que la banane elle saute sinon. D'accord, je te fais des appels. Ton diffuseur, comment il s'éclaire? C'est un truc de fou. Un sapin de Noël. Je te jure. Ah oh ouais, truc de dingue. Ah, tu t'es foiré là. Ah, je suis un trop tôt, putain. Ah, je viens. T'as 4? Ouais. Moi aussi. Ah, putain. Je crois que c'est ma roue arrière gauche qui m'a fait 4. J'étais en avance de un peu plus d'un dixième. Derrière barre JSQ. Ouais. De toute façon, il est en tour rapide. Aucun intérêt de le gêner.
J'ai invalidé. Je perds 2 dixièmes. Ah tiens, parce que les 2 dixièmes limite que t'as d'avance sur moi, c'est uniquement. Ah, c'était uniquement avec la spi, mais là, c'est bon, t'as compensé. Ouais, j'ai perdu 2 dixièmes dans le dernier. J'ose pas le taquiner, le libre. Prenez l'aspi les gars. Thank you.
Allez, Romu, va chercher ça. Alors là, c'est mon PR all time. Tiens, tu pourras aller chercher ça. Il a un valide, ton nom. Ah, je me foire les mains, putain, c'est pas vrai. Ouais, calife morte. Enfin, morte. Putain. Merde, je suis arrêté en plein milieu. Bon, ça te fait des points pour la pole, là. C'est combien? 4 points. Pas. Si, y en a, je crois. T'es sûr? Bah, il me semble qu'il y a point pôle et meilleur tour. Ah, 60 litres. Allez Optimus, là tu gagnes un dixième, là tu... Il n'y arrive pas. Putain, un dixième, tu gagnes 4-5 places là. Ce premier droite après les stands là. C'est bête qu'il n'y a pas un... Tu sais comme le rallycross à tour joker là, tu prends le circuit par les pits. Ouais, j'ai fait un super dernier virage, je peux pas améliorer là-dessus. Ah, dommage. J'avais un dixième d'avance dans la fin du secteur 2. Ah bah lui, 26, c'est mon dernier secteur qui m'a tout fait en fait. Oh mais belle qualif. Ouais, deux dixièmes, tu me mets deux dixièmes, un dixième dans le premier. Et tu me prends un dixième dans le deuxième secteur, là où la Mustang a un peu de mal. Normal. Mais attends, les 26 kilos, faut les traîner, mon gars. Ouais, mais tu restes mieux dans le secteur 2, quoi qu'il arrive. Après, le secteur 1, je pense que je fais 10 sur toi sur le premier virage. Et le dernier secteur, dans le dernier virage. Ah ouais, Optimus, putain, tu gagnes un dixième. Un tout petit peu plus d'un dixième, ah ouais, tu te retrouves P12, quoi. T'as pas... Ouais, c'est ultra serré à ta place. T'en as 4 dans tes temps. Enfin, 5 même. Ça sent la bagarre. Le départ, il va être chaotique. Ouais, ouais, c'est la topologie de ce circuit. Enfin, t'as des temps très, très, très serrés. Et en rythme de course, c'est quasiment similaire. Souvent. Il est où, Schubert? Ah bah je sais pas, trop de pression, trop de pression. Schubert, trop de pression encore une fois. Tu mets tout sur la pression. Tu mettras ton C en majuscule, Schubert. Là Schubert c'est quand même. Je vais faire mon meilleur tour en course. En qualif, je le sais. Combien? À 10 minutes. Tu peux aller fumer 3-4 clopes, Rudy, si tu veux. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire parce que je suis tendu là. Et combien le plus? 23-28.
Je me sens pas bien du tout. Non, ça allait en termes de tempé. Les clés, par contre, là... Je vais aller voir mon physio, j'arrive 2 secondes. J'ai des choses à lui demander. Pas possible. Vraiment que de la merde. Encore 6 minutes plus tard. En même temps, c'est bien qu'il mette 6 minutes. Ça, t'as le temps d'aller pisser, d'aller chier, d'aller fumer, de bouffer un truc aussi. La température, elle va monter, non? Non, elle va pas bouger. Elle devrait être stable. Bon, il est 3h de l'après-midi, logiquement, elle est stable. Elle a toujours été stable, hein, je crois, sur ce championnat, la tempête. Parce qu'ils mettent toujours à 3h de l'après-midi in-game. Sur le serveur de practice, la température, elle fluctuait. Ouais, c'est normal, ils mettent à midi, je crois. Ok. Je suis pas sûr. Parfait. Et même si il y a un flux d'un ou deux degrés, ça va pas changer beaucoup tes pressions. Ouais, ok. L'intérieur ici, c'est pas super, je crois. Il peut souvent jeter à l'intérieur. C'est bizarre qu'ici le poleman il part à l'exté quoi. Part à l'exté pour la meilleure sortie. En tout cas, à l'intérieur, t'as pas vraiment l'avantage parce qu'il y a la banane. Ça sent le cut. À mon avis, tu vas aller prendre le virage le long des barrières là. C'est possible que je sorte large, ouais. Enfin, le cut, ça dépendra du jeu. Il est clément ou pas. Valette, s'il sort bien, il va me manger. Valette, il avait impossible super temps en caisse. Il est arrivé à aligner ses secteurs. Il avait un dixième, là. Ah non, il t'avait même pas. Ah si, il était dans tes temps. Il faisait pas beaucoup mieux. Pareil, t'aurais pu aller me matcher. Hein. Moi, le dernier... Allez, 2 dixièmes. Je sais pas beaucoup, je pense pas beaucoup. Dans le dernier virage, à un moment, quand j'ai amélioré, j'ai perdu 2 dixièmes. Tes 2 dixièmes, tu les as sur secteur 1 et secteur 3 cumulés. Donc, c'est le mieux que tu avais. Bah, déjà, je m'attendais pas à être P2, quoi. Alors, de toute façon. Mais je pensais que Cyril ou même Hybrid, ils allaient passer devant, mais. Finalement. Ça va les gars, ah oui. P7, P8, P9. J'ai Christophe d'ailleurs. Bah ouais, t'as fait un bon qualif là. Merci. J'ai toujours des problèmes de frein en fait. C'est le frein en fait qui me fait pas gagner plus. J'ai toujours en mode réglage de frein quoi. Ah oui, t'es ton pédalier, c'est ça? Ouais, mon pédalier, ouais. J'essaye toujours de trouver, d'optimiser au mieux mon réglage pour... Ça va venir, ça va prendre du temps, par contre. Ouais, mais ça va faire un an au mois d'octobre, si tu veux, donc... Ah bah, tu sais... Je suis pas... Avec mon TSM... Je suis loin, moi. Ouais, t'es plus à 2 semaines, quoi. Ouais, je suis à un an près, tu vois. Ouais. Avec mon TSM, c'est pareil, je suis dans l'optimisation à fond, maintenant, parce que je peux plus tirer le max du pédalier, il est déjà au max. Ouais. Romu, est-ce que... Pour info, tu peux me donner tes pressions, s'il te plaît. Moi, je vais être à 25-1, 25-7, 25-1, 25-5. Ouais, ok. Ouais, c'est ok. C'est fou, j'ai les mêmes pressions. Ouais, bah... Pourquoi t'as copié? J'ai les mêmes pressions à un clic de différence. À droite. Moi, je serais vous, à gauche, c'est les mêmes. Je me méfierais de la voiture 78. Il peut réserver beaucoup de choses pendant la course. Il va sortir un red flag et va passer devant tout le monde. Ouais, il va mettre un DT à tout le monde. Le bouton magique. J'ai même pas vu trop ce que ça a donné les qualifs de leur course. Rudy, fais-nous une bonne course, hein, t'es pétro au général.
Il se bat avec hybride. Je t'écoute plus. Non, hybride, il est beaucoup plus loin. Il n'est pas non, non, P4. Il s'est... Ah, ah, il s'est bien rapproché. C'est pas lui le P4, mais c'est bien rapproché. Et c'est hybride la vraie menace. Pour les... Bah, même pour nous. Nous, il est un peu plus loin. Valette aussi, hein. Il peut revenir. Hein. On est à la moitié du championnat là. Ouais, mais il est très loin. Il est encore très loin. 20 seconds. C'est pas lui qui va le menacer directement en fait. Ah oui, on n'a pas de tour de chauffe. Oh YOLO, j'adore. Attends Val, attends Val, j'ai pas mis mes gants. Oh le loup. Faut que je me rappelle de l'entrée des pits, hein. Faut pas que je fasse folle. Du coup on peut couper avec deux roues, c'est ça ce que t'as dit? Non, aucune roue. Aucune roue? Ça serait bien que j'arrive à me mettre derrière toi à la sortie du virage. Ah, j'ai frôlé le DT. Oh la banane. Pas combien de temps j'ai laissé, mais. Il fallait me prendre nos DT aussi, moi. Ah, j'étais à 71. Mais je crois qu'il y a une petite marge. Allez, accroche-toi, je lance la corde. Ouais, j'ai rien vu. Hein. Elle est invisible. Fais des flashs, tu la verras. A priori. Si je perds ton aspi, je suis mort. Attends-moi. T'es dans l'aspi. Dernier virage, premier virage, je vais prendre cher avec l'autre derrière. McLaren est mieux dans ce virage. Ça va se tuer devant. Oh, putain. Il me fait chier celui-là. Putain. Ouais, je suis dernier, merci. C'était merci. C'était Braun, non? Ouais, je crois. Putain, mais lui, c'est pas possible. Il prend 15 secondes. Ah, il prend un ou deux dixièmes. Hein, sur...
Bah, je peux pas être agressif sur la boîte comme en qualif, fait chier. Est morte.
c'est mort, je perds ton aspi. Oh là là là. Et où ta corde là? Elle a cassé? Ah, tu l'as... c'est toi qui l'as cassé. T'arrives plus à t'accrocher. Ah merde, putain. Ouais, j'ai pas eu chopé le cut aussi. Ouais, je l'ai pas eu. Je veux tellement raser la banane, je la... ça fait deux fois que je la prends. Y'a des voitures qui peuvent là un tout petit peu la grimper. Christophe. Ouais, j'étais 26 plus 16 là. Yeah. C'est pas ça, c'est que l'autre à chaque fois il est impliqué dans un accrochage. Non, pas il a pris sa pénale. Hein. Fait exactement le même temps. Pardon, j'ai fait un tour de merde. Oh non, putain, ah, c'est méchant.
Je te jure, c'est un tour foiré que j'ai fait là. Ah, c'est méchant. Vous tournez en combien devant? À 28.5 en moyenne. Ouais, 28.5, 28.6. On a ralenti le rythme parce que bon, 28.2, ça va vite. Ah, c'est bien, je creuse un peu sur, derrière là. Ah, c'était le principe. J'ai fort poché pour creuser l'écart. Maintenant, il est stabilisé. Oh merde. Putain. C'est pas possible. Oh là, t'es dégoûté. Mais souvent, ces temps-ci. Bah, c'est le volant, là. Ça, le volant, c'est la deuxième fois. Ah, mais au sein de la team, je veux dire, ça arrive beaucoup. Problème de volant. Ouais, ça arrive malheureusement. Les pneus, putain. Thank you.
ça repart pas au pied. Non. Non. Je demande qu'il me reste la première et le bouton de moi. Il y a des. Franchement, il y en a, ils sont graves. C'est fou, tu me reprends 3 dixièmes à chaque fois dans le secteur 2. Elle a plus rien la voiture. J'ai de plus en plus de mal celui-là là. Oh, le sous-virage. Oh ouais, oh, j'y vais. Putain. Il m'a suivi en fait. Ah oh, l'autre, il lâche pas l'affaire hein, derrière. Putain. Il est rapide, va l'être. C'est bon, 6. Tu vas me laisser passer aussi lui, non je crois pas. Oh c'est cool ce qu'il a fait. Oh une seconde 4. Thank you.
Sérieux, j'ai pris le même virage, j'ai un cut, j'en ai pas eu avant. Les mêmes problèmes que nous, Valette, je jure. Mais non, putain! Mais non, 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 c'est pas possible. Pas possible. Il me valide pas mon pit là. Oh mais putain. Il va pas me le compter. Y'a pas une fenêtre de pit là? Elle est ouverte la fenêtre. Oh la vache, putain le mec. Ah si j'écarte putain, pas, il me zingue, je crois. J'en ai marre. Ça t'a pas validé? Oui. En fait, je me suis fait sortir et il m'a éjecté dans la voie des stands. Ah. Je suis resté dans la voie des stands et je suis rentré au pit, tu vois. Putain, je vais arrêter ce championnat, c'est pas possible. Il y a que des problèmes. Il va pas me le compter, le pit. C'est sûr. Ah, s'il me l'a compté. Pardon. Putain de cul. Tu me fais un appel de phare. Qu'est-ce que tu fais devant? Il m'envoie des cailloux et tout quoi. Elle devient chaude à jouer là, la voiture. Ouais, t'aimes. D'habitude, t'aimes bien quand ils sont chauds. Comment j'ai dû ralentir? C'est normal parce que c'est... Attends, je te doute pas, hein, juste pour voir la piste. Plus de place. On va voir le pit. Tu me dis si tu pites hein, que je te rentre pas dedans. Ouais, de toute façon on va être un petit temps. À ce tour-là ou pas?
va pousser au prochain. Speed au prochain. Je vais habiter là, moi. Ah, je vois pas mon panneau. Putain, c'est chiant ça. Pourquoi il s'est arrêté dans le top 10? Je pense pas, Ludo. Là, je vais perdre du temps. Eh putain. Qu'est-ce qu'il me fait? Il doit s'arrêter le mec. Alors lui c'est un bon lien. Lui il est bon lui. Attention au petit, on arrive. Ouais, le... ah. Je regarde. Il pleut. C'est bon. Il y a tout qui approche maintenant, pas grave. Alors lui là, ce bel là, lui, il a pas inventé l'eau chaude. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ah ben non. Thank you.
Ah oui, SB, c'est pas le couteau le plus aiguisé, en effet. Bah, je te dis, il m'a tapé à une des courses, il a pris 40 secondes de peine. Non mais le gars, il m'empêche de passer, il faut qu'il fasse ses vite. Le mec, on lui a mis 3 secondes en 2 tours. Je me suis fait niquer ma course 2 fois. Bah, tu vas te choper un DT à force, pour moi. Deuxième cut. Merci. De rien. Faut décrasser ta, décrasser ta BM parce que y a une mauvaise odeur dans ton pot. Ah, oh, je l'ai perdu. Oula, il m'a fait peur lui. Non mais la prochaine fois passe là parce que là. Marc, tu me renifles le trop de bas là. C'est pas trop mon style en fait, plus. Ça me fait préserver les pneus. Ouais, mais. Tu me stresses. tu fais monter mon cardio et c'est pas bon pour mon cœur. C'est pas une pénalité là? Je sais pas. Bourriche, ouais, 15 secondes. Bourriche. Ah oui. Non, mais devant. Ah, j'ai pas le choix. Je sais pas, le 6ème là. Il a pas pris une pénalité le 6ème? Si. Secondes. 15 secondes. D'abandonner. Bah voilà. Non, je me suis. Il y a un mec qui est mirage, il est sorti de la piste. Retour en piste dégueulasse, il m'a percuté. Dégâts sévères, j'ai plus de direction, j'ai plus rien. Oh. Il me casse les couilles. Apparemment, lui, c'est plus de direction, il va tout droit. J'ai une minute, je sais pas combien de dégâts là. Vas-y, Rudy.
Ouais, merci. Je vais à l'inter. Ah bah là. Ouais, c'est pas possible. Vas-y, prends, prends la XT. Ah, accroche-toi, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Notre copain. Bizarre, t'allais plus vite que ça tout à l'heure quand tu me chassais. Ouais, mais 47 secondes. C'était quand tu commençais à avoir tes pneus un peu morts. 47 secondes de dégâts. Même au début de course, tu me suivais. Ça a les pneus ? Secteur 2, c'est vraiment ton secteur. Qu'est-ce qu'il fait que ça va Porsche? Il me fait peur. Celui-là, s'il en touche un, il touche nous deux. Oui, bah oui. On va la soupe tous les deux. Faut faire gaffe parce que Valette, il a la fuite. Quatrième. Il fallait au moins deux coups de flash là, pour le réveiller. Bah plus les miens, ça fait 4. Ah, j'en ai fait un, t'en as fait deux. Voire 3. Ouais, je sais, j'abuse. Ah, moi bon, un seul suffit. Ouais, mais t'as des phares longues portées, toi. Les feux arrière, oui. Les feux avant, je suis pas sûr. Le capot est déjà très long. Je crois que tu m'as mis dans un faux rythme. Oh, ça va être de ma faute. Le gars il va gagner, ça va être de ma faute. Vous entendez ça les gars? Ah, ouais, c'est, bah, c'est pareil pour moi. Hein. Remy nous a tous mis dans un faux rythme. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Schubert. À 2 secondes 3, il revient, je trouve. Ouais, oh, il était un peu plus vite sur le dernier tour. Et t'es pas gêné par un retardataire. Hop, je me foire, merci, au revoir. Ah yes, je retrouve de rythme. Arrête Hamza, putain, t'es 16ème. Je prends une seconde plus vite que toi pour une fois. Qu'est-ce que t'as fait? Oh là là. Deux tours de suite.
Voilà, je pense savoir pourquoi j'ai gagné mes pneus au premier relais. C'est marrant, putain, je tape la balle. Erreur sur erreur. Focus. Et la valette derrière, il a là-dessus. Même si avec sa macarène, il peut rien faire en ligne droite. Seconde 8, putain ça. Des champions. Ça serait l'endurance, on arrivera à tirer la bourre à 4, à 3 plutôt. En plusieurs heures. C'est bien ce que je pensais. Et je me foire, putain, ça me saoule.
t'es passé avant toi. Ouais, il aurait pu. Ah bah évidemment. Je suis bien l'arrêt. Merci. Voilà, relance. Pour m'attendre peut-être, non? Est-ce que tu arriveras à t'accrocher? C'est la question. Il lâche pas, hein, putain, une seconde 8, deux secondes 1. Je fais une erreur, il fait une erreur. Heureusement qu'il est pas à mon cul, je te le dis. Et hop, putain. Bah lui aussi la cote. Ah, il y a Hybrid qui n'est pas si loin, il a un peu plus de 10 secondes de la tête. Ouais, je pense qu'il fait un meilleur relais que le premier. Le premier, il a été loin en fait. Du coup, il a des dépôts plus frais que nous. P6, il a purgé sa pénalité ou pas? Non. Non. Non, non. C'est-à-dire, il l'a eu après le pit. Ça veut dire que vous allez passer. Ouais. C'est bien ça. Oui, oui. Ce que je pensais à Hybrid, il est un peu plus frais, du coup, un peu plus rapide. Normal. Mais j'en ai marre de ce putain de circuit de merde.
Deux tours. Bonne idée, si t'arrives pas à passer le pilote devant toi, c'est pas grave, hein. Il a une pénalité. Ouais. Il a bien géré le mec. Même si c'est pas le meilleur endroit pour laisser passer. Un problème, ouais, ouais, ça c'est en cours de comité. Ah, bah là, il y a un problème. T'as pas le câble qui se passe ou un truc, quoi, comme ça? Bah, j'ai même changé le port USB et tout ça. Ça vient de la base elle-même, alors. Je sais pas. Ouais, ça peut pas du dernier tour. Attends. Ouais. C'est dommage. Il a pas fait une erreur, Valette, parce que... Bon, non, il a 2 secondes. Ah, Damas, on lui a pris combien de tours? Déjà 2? Il est le 3ème, là? Qui va aller derrière. C'est zéro risque, il vaut mieux. J'ai remis. On a survécu le doublé. Avec Valette qui nous collait au queue tout le long. Elle est morte. On mettait ses offres, mais. On avait le même pace, bah toi et Valette, on avait exactement le même pace. J'étais peut-être un poil plus vite en erreur, mais je sais pourquoi j'ai usé mes pneus au premier relais. En fait, je me suis le TC4 sur 2 virages, et sur un des 2 virages, la voiture elle patinait. Et du coup, bah, en mesure des tours, j'ai grillé les pneus. Le P1, P2, P6, P7. Oula! Je vais me concentrer sur le championnat d'AXRO qui commence la semaine prochaine, j'arrête les conneries là. Championnat d'AXRO ou la NLS? Non, non, de l'AXRO, je me suis inscrit là, le championnat qui commence mercredi, il y a 10 courses. Mais j'arrête, c'est bon, à chaque fois, 15 secondes de pénalité, le mec, je suis P7, il me ruine la course. Ouais, donc, ça c'est pareil ailleurs, hein, Chris, de toute façon. Ouais, mais putain. Parce que là, je suis énervé, tu vois. Bah oui. Mais ça me. Ouais, mais c'est putain, merde, quoi.
Personne respecte les consignes en fait. Bah, fais une récla et au bout d'un moment tu t'envoies un MPA machin, tu dis putain les mecs c'est tout le temps les mêmes, au bout d'un moment bah tu leur dis interdiction de faire les qualifs, comme ça ils partent dernier. Je prends les résultats au mieux ou Non, je les prends. Ok. C'est relou à force quoi. Ah merde, dans les résultats, j'ai oublié de te prendre toi, Val. Oh, c'est pas grave. Ah putain, Optimus, là, c'est quoi ton délire, là? Bah, je sais pas, j'ai que t'as... le volant qui se déconnecte. Putain. Pourquoi? Je pensais pas qu'on allait être devant tout le temps. Je pensais qu'on allait avoir un peu plus de challenge en course. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Hello. Bonsoir. C'est qui? Veuillez vous présenter. Ah, c'est Charles Amory. Présentez vos papiers. Vous avez fini? Ça a fini plus tôt que prévu. Ah bon? Ah, bah nous aussi, ça vient de finir. Ouais, non, regarde, non. Ça a fini à l'heure prévue, hein, mais c'est juste qu'on a eu deux crashs. Non, en fait, serveur, c'est ça le ouais, premier crash serveur après 5 minutes après le lancement, donc ça va. Voilà, voilà. Bon, bah, petite course sympathique. Je pensais vraiment pas faire P2 là ce soir là. Donc bah, c'est pas mal. Merci aux personnes. Merci aux personnes qui ont suivi la course. Bon, il y a eu une personne un peu bizarre qui est venue en début de stream. Mais bon, c'est comme ça. On contrôle pas les gens, la mentalité. Moi, je vais vous dire à demain, si vous voulez. C'est la finale du championnat GT4 de la X-Hero. Normalement, c'est Houlton Park. Je vais aller faire un peu de quelques tours de piste là. C'est sous la flotte, Houlton Park. Je suis premier au général avec pas beaucoup de points, donc on va essayer de faire une bonne course. Voilà, et ben je vous dis à tous demain si vous voulez.